La son Tumbendi Ginette. Tumbendi Ginette, pardon. Au mois d'août 2024, ma mère est tombée malade à Bombang chez ma petite soeur où elle résidait. Ma petite soeur m'a contacté et m'a expliqué qu'elle souffrait d'hypertension et de diabète et son état était critique. En écoutant cela, j'ai voyagé pour Bombang pour amener ma mère à Yaoundé afin qu'elle assiste à la quatrième nuit de débordement de grâce. Donc ça, c'était au mois d'août. Amen. Elle dit, en ce moment, elle ne marchait plus, ne voyait plus et parlait à peine. Son souffle devenait de plus en plus faible et les gens me disaient qu'elle n'allait même pas pouvoir survivre jusqu'à Yaoundé. Je ne me suis pas découragé et nous avons emprunté une voiture. Pendant le trajet, ma mère a arrêté de respirer et les passagers ont commencé à crier. J'ai alors saisi le flyer de la nuit de débordement de grâce qui était dans mon sac. Et je l'ai posé sur le cœur de ma mère en disant, « Maman, tu ne meurs pas au nom de Jésus-Christ. » Et elle dit, près de 5 minutes de prière après, j'ai vu ma mère reprendre son souffle. Elle a recommencé à respirer. C'est comme ça que nous sommes arrivés à Yaoundé et nous sommes directement venus à la nuit, la quatrième nuit de débordement de grâce. Les huissiers ont transporté ma mère sur une chaise roulante et ils l'ont amenée dans la salle. Au moment où papa conduisait la prière de masse, ma mère s'est subitement levée de la chaise roulante et elle a commencé à marcher. J'ai commencé à crier et je l'ai immédiatement amenée devant et papa a pris son témoignage. Papa a prié pour elle et a déclaré qu'il chasse l'esprit de mort qui hantait sa vie et l'a déclaré libre. Nous sommes retournés au village. Quelques jours après, ma mère est allée à l'hôpital pour faire un examen de contrôle. Tous les résultats étaient négatifs. Aujourd'hui, ma mère est libre en parfaite santé. Et elle dit, tout le village à Bamba m'appelle pour demander où j'ai amené ma mère. Lève-toi, dis à Jésus-Christ. Crie à Jésus-Christ. Dieu va te bénir. Beaucoup même. Donc ta mère était mourante. Donc en route, où est le flyer? Non, ça c'est pas le flyer. En route maintenant, c'est la photo de ta mère. En route maintenant, elle dit que sa maman à un moment donné a failli rendre l'âme. Et puis elle a posé le flyer. Dis à ton voisin, toi, où est-ce ici? Zumbi, regarde comment sa mère est jeune, regarde. See how her mother is young. Quelqu'un comme ça ne part pas. Elle a encore 50 ans. Not going. She has 50 more years. Laisse la jalousie dire amen. Donc c'est comme ça que tu as prié et ta maman a repris les forces. Et quand tu l'as amenée, si on l'a mis dans la chaise roulante, on l'a amenée quelque part, on ne sait pas où. Oui, à peine on a commencé, la puissance de Dieu l'a touchée. Oui, et ta mère s'est levée. Elle s'est réveillée. Elle s'est levée. Ouais, mettez le volume, on ne suit rien. Chou, pardon. Viens ton micro. Ma maman s'est levée, elle a marché. Ta maman fait comment? Elle s'est levée, elle a marché. Elle s'est mise à marcher. Oui. Et c'est comme ça qu'elle était libre. Elle était libre. Du diabète et l'hypertension. Oui. Celle qu'on pensait qu'elle va mourir. J'ai transféré ma maman aller à l'Ouest, à Fumban. Avec. Ma maman vit à Fumban. Elle vit à Fumban. Oui, je suis partie avec ma maman. Mes frères, tous mes frères, mes soeurs m'ont dit que si ma maman meurt, je vais manger la chair. Mais si maman meurt, tu vas manger la chair. Oui, je vais manger là où je suis partie. Les gens disent que je suis partie avec elle. J'ai dit que je suis sûre de mon papa. Rien ne va arriver à ma maman. Alléluia. J'ai transféré ma maman à Ménin ici. Le lendemain, je suis partie. Je ne peux plus faire, le culte de dimanche. Oui. Je suis allée. Je suis allée à dimanche. Oui, je après suis allée. Je suis allée après la nuit de prière. Je suis allée à l'Ouest avec elle. On est arrivé là-bas un lundi. On est allé à l'hôpital. Oui. On arrive, le directeur de l'hôpital voit ma maman. Elle dit que moi, je soigne que la maladie, ce n'est pas la mort. Si ta maman, si elle est déjà en partant, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Moi, je commence. J'ai dit que non, monsieur le docteur, ça va aller. Amen. Je sais. C'est comme ça qu'on a pris. Oui, elle a fait tous les examens. Je vois les examens. Le monsieur le docteur, pourquoi quelqu'un est malade comme ça, il tremble? Mais on voit négatif, négatif, tout négatif. Tout était négatif. Donc, et maintenant, maman marche. La maman marche. Elle la maman est bien. Elle est normale. Elle mange normalement. Elle mange normalement. Elle peut même te poursuivre pour te fouetter. Elle mange normalement, papa. Elle peut même te pourchasser pour te fouetter. Oui, papa. Et ma maman me dit que ton prophète m'a touché. Depuis que ton prophète m'a touché, je me sens libre. Je me sens le fardeau que j'avais porté. Je ne sais pas. Je me sens libre. Je ne comprends pas ton prophète. Dis à ta maman que je suis aussi son pasteur, je suis aussi son fils. Le premier qui acclame ta vie va changer. Je remercie papa de Fordu qui a fait que merveilleuses choses dans la vie de ma famille, dans la vie de ma maman. Donc, je ne sais pas comment le remercier, donc c'est pour... Je suis venue dans cette église. Ça fait un an et demi, un an, 5 mois que je suis ici dans cette église. Depuis que j'ai commencé ce culte, je suis bien. Donc je suis... Ma vie va droit.
Je vous dis vraiment la vérité, mes chers frères ou mes chères sœurs. Non, c'est pour prendre l'exemple. Si vous venez, vous tous, si vous venez dans cette église, vous allez trouver la solution. Parce que c'est que j'ai, depuis que je suis dans cette église, j'ai eu ma paix et j'ai eu ma fierté. Je ne sais pas comment remercier le Seigneur. Partout là où j'étais, je suis née dans une famille église protestante, mais je n'ai jamais eu ce que j'ai eu dans cette église. Donc, depuis que je suis ici, je veux bien. Même ma maman qui était malade, je suis venue dans cette église avec ma maman. Quand papa a déclaré libre, ma maman était libre. Même ma famille qui s'est levée sur moi, et tous me croient. Ils ont compris que non. Là où je sais, c'est un Dieu vivant que je sais, mes frères. Donc, je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il a fait pour ma famille. Et je prie que les gens viennent, beaucoup de gens voient, que Dieu les utilise de venir aussi sauver leur âme comme nous. Merci, merci Seigneur.